De radio Les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, grâce à la télévision, vous n'avez jamais cessé d'être en mouvement dans tous les sens du terme, grâce au théâtre, vous passez aujourd'hui du culturisme à la culture. Bonjour Gérard Vives. C'est une magnifique introduction. <laughs> <laughs> en tout cas, c est, c est, ça résume ça parce que vous avez été. La gym a été importante pour vous, on, on va en parler. Vous êtes à l'affiche du Coucou, une pièce au théâtre d'Edgar, ce sont vos débuts à Paris. Oui. Alors, le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Donc, avant de parler du théâtre, on va parler du passé et notamment du 20 décembre 1993, jour de la diffusion du premier épisode de ce feuilleton. Filles d'à côté, votre, euh, ce sont vos débuts. Euh, encore aujourd'hui, toute une génération vous parle des filles d'à côté, Gérard Vivès. Tous les jours que Dieu fait, on me parle des filles d'à côté et je me dis que ça a dû quand même marquer les esprits. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, ils sont rares. Vous étiez dans ce feuilleton euh, Gérard Nacutel, le réceptionniste efféminé d'une salle de musculation. Et tout le monde ne sait pas que je m'appelais Nacutel. Bravo, Gérard. <laughs> ah là, là, chapeau. Mais euh, comment c'est venu ça, ça, ce personnage Je crois, je crois que vous l'avez un peu inventé. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, j'avais à l'époque donc je faisais beaucoup de sport et, euh, et j'avais trouvé l'idée euh, farfelue à l'époque de me tiens et je vois qu'il quand on fait de la figuration j'ignorais tout de ce métier-là qu'on pouvait euh, gagner un petit peu de sous et là ça demandait pas de grandes compétences c'était bien je n'en avais pas et donc je me suis dit tiens et pourquoi j'irai pas j'irai pas faire de la de la figuration et en fait je me suis retrouvé sur une série à cause ou grâce à, à mon physique à l'époque qui était une série qui s'était tournée pour Canal Plus qui s'appelait euh, Station Charenton à l'époque la responsable du des costumes Aude Messéan deviendra plus tard dans les années qui vont suivre la responsable du casting et et donc on s'était connus et elle me dit tiens il va y avoir une nouvelle série et j'ai besoin j'ai besoin d'un mec costaud pour faire de la figuration. Je me suis retrouvé donc dans cette série euh, et, et à, à faire des essais images pour voir si j'avais l'air d'un sportif. Sauf que je connaissais Aude, je l'avais je l'avais j'avais travaillé un petit peu avec elle et elle me dit bon écoute Gérard il faut que tu te déshabilles pour pour les besoins du, du de la série pour que le producteur puisse voir ton physique et voir si tu peux rentrer dans les dans la figuration. Et donc euh, me déshabiller, ce n'était pas quelque chose que je faisais facilement. Mmh. Aller savoir pourquoi, et je vous jure que c'est la réalité, quand je me suis mis à me déshabiller, je ne sais pas pourquoi, je, je, mais pourquoi, mais j'en ai, mais alors vraiment, mais alors, non mais arrêtez, je, non, parce que ça me gêne. Et ben pourquoi j'ai fait ça J'en ai aucune idée. Jamais j'avais joué la comédie de ma vie, rien du tout, et je fais ça, bon voilà. Et de, de fil en aiguille, on m'a rappelé, euh, pour, faire, euh, pour faire des essais, mais je, je, je me disais, tiens, dans cette nouvelle série, parce que je savais que Jean-Luc Azoulay, qui était le producteur de l'époque, voulait une série plutôt haut de gamme qu'avec des comédiens. Et donc je me suis dit, tiens, bah, dans cette série, pour les figurants, on me rappelle, je fais des essais costumes et tout. Je n'avais absolument pas compris et je pense que Jean-Luc n'avait pas vu. Il s'est dit, tiens, ce, ce mec-là, taillé comme il est, j'avais la tête rasée à l'époque, ouais. euh, bah, ce type-là, peut-être qu'on peut qu va l'essayer comme ça. Et j'ai démarré le premier épisode sans savoir que j'avais une phrase à dire, sans savoir que j'étais que j'allais peut-être intégrer cette série. C'était, je n'y comprenais absolument rien. Et pour vous dire, même les comédiens, moi, je, je les connaissais pas. J'avais pas ce que j'avais jamais vu un plateau. Enfin, c'était, c'était, euh, c'était incroyable, ubuesque. D'autant plus que Jean-Luc Azoulay avait l'habitude d'écrire au jour le jour. Enfin, Allongé sur le ventre, sur son bureau, il dicte à sa secrétaire des épisodes d'un feuilleton, puis de l'autre, dans la tradition des feuilletonistes. C'est exactement ça. Et moi, j'ignorais tout de ce métier. Donc, tout le monde disait, mais c'est incroyable, tu tournes, tu tournes un épisode par jour. Ben, ouais. Et alors, c'est... Ben, d'habitude, on ne fait pas C'est deux minutes utiles au cinéma. Ah, deux minutes, ça ne me paraissait pas beaucoup. Puis après, avec l'expérience, j'ai compris. Mais c'est vrai que c'était incroyable. Puis comme moi, j'étais... je, je j'avais une peur incroyable donc je faisais des hypoglycémies pour dire simplement bonjour, enfin c'était l'enfer et ben euh, quand je recevais, donc on terminait très très tard les premiers épisodes, le temps de, de se mettre au parce que même les comédiens qui étaient avec moi n'avaient pas l'habitude de ce rythme là, mais moi je connaissais pas, et donc quand on recevait un, 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 un scénario euh, le, le, enfin, le, les dialogues quand il était minuit ou une heure du matin, moi il fallait que je m'entraîne aussi, et apprendre les trucs enfin, c'était incroyable. Parce qu'il fallait apprendre et tout de suite jouer le lendemain, c'est un métier ça particulier. C'est un métier, merci de me le faire remarquer Jacques vous avez tout de suite compris qu'au début je pataugeais un peu dans la smoule ouais c'était c'était incroyable pour moi c'était d'une difficulté incroyable oui, mais ça a marché de façon incroyable aussi alors, avec le temps, allez savoir pourquoi les, le public s'est mis, euh, s'est pris d'affection pour ce personnage-là. Et c'est vrai que euh, Gérard, qui était donc le, le personnage que j'interprétais, je voulais le rendre de plus en plus euh, gentil, vraiment naïf et gentil, presque un enfant. Et, et, et les gens ont adoré euh, ce personnage-là, malgré le fait qu'il soit efféminé. Je ne dis pas homosexuel parce que rien dans l'épisode, le, dans, le, dans, dans les séries, pouvait le laisser présumer. Mais bon, j'avais quand même beaucoup de manières pour la petite. Pour la petite aparté, c'est que j'imitais ma mère, qui en faisait moins que moi, mais j'essayais de féminiser au maximum mes mouvements. Et les gens ben, ont adoré ce personnage. Oui, et à l'époque, c'était pas courant. Bon, il y avait eu la cage aux folles qui avait déjà fait scandale puisqu'elle a failli s'arrêter à la 30e représentation parce que les critiques n'acceptaient pas un personnage efféminé en 1973. Mais vous avez, vous avez, vous avez raison, il faut, faut replacer ça dans le contexte, dans les années 90, et puis à cette époque-là, on parlait beaucoup du sida les homosexuels à Los Angeles, etc., etc. Donc j'étais hyper surveillé. En plus, on tournait avec deux enfants. Donc il y avait, il euh, y avait beaucoup de. C'est pour ça que je voulais le rendre très gentil, adorable, euh, naïf. Et le personnage a été. Et au début, on me disait, mais Gérard, euh, tous ceux qui, qui étaient avec moi, par exemple, les figurants qui cherchaient à devenir comédien, ils disaient, mais Gérard, fais gaffe, hein, parce que là, tu te fais, euh, là, tu fais très, tu fais quand même très manier et fais gaffe. T'es grillé dans le métier. Mais moi, je cherchais pas à être comédien? Ben, pour moi ça m'allait, c'est pas grave. En plus vous étiez au cœur d'une un, ruche avec Dorothée au cœur euh, qui faisait 22 heures d'émissions par semaine. Ah non c'était un truc, mais là-bas c'est vraiment ça bossait euh, matin, midi et soir, ça, ça travaillait tout le temps. Une ruche c'est exactement ça. Alors ça a marché tellement qu'il y a les nouvelles filles d'à côté oui. et vous êtes resté. Alors dans les nouvelles filles d'à côté en fait euh, euh, Jean-Luc a, a voulu créer la vie un peu de Gérard et à ce moment-là il y a Adeline Blondio qui est, qui est arrivée et nous avions notre appartement donc les nouvelles filles d'à côté, moi je faisais partie. De, de ces nouvelles filles d'à côté. Et il y a eu d'autres sitcoms de Jean-Luc Azoulay où vous avez fait des apparitions aussi. Ouais, Jean-Luc a adoré me. Je crois qu'on appelle des, des crossovers ou des. Je ne sais ça, pas, oui. c'est ça Je ne maîtrise pas trop. Ouais, et plus, en on fait, a... on m'a mis avec les musclés, on m'a mis avec Premier Baiser, j'ai été avec Hélène et les garçons. Enfin, voilà, on me faisait apparaître un petit peu partout. Je trimballais mon short à rayures sur tous les plateaux. Voilà. Et les sitcoms sont apparus en France. C'est Jean-Luc Azoulay qui les a lancés. Il y pensait depuis des années et personne n'en volait. Mais aux États-Unis, le premier sitcom, c'était L'Extravagante Lucie avec. Que Lucille Ball, 180 épisodes de 25 minutes dans les années 50-60. Euh, ah, ouais. dans les années 50. Et, et c'est venu, il a vu ça aux États-Unis, il a dit on lance ça en France. Alors vos jeunes années euh, ont été un peu différentes. Je crois que vous êtes né à Choisir le roi Tout à fait, dans le 94. Voilà. Et d'ailleurs Mehdi, autre vedette de télévision, est né à Choisir le roi C'est-à-dire qu'il, lui, il a fait Belle et Sébastien. Je ne sais pas si ça vous dit quelque bien chose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il vit aujourd'hui à Biarritz où il dirige un café-théâtre, Le Bijou. Voilà. Ah. Alors, euh, vous, avez vous, vous avez fait des études quand même, non, avant de... Alors, j'ai fait des études. Euh, Est-ce que c'est les études qui m'ont poursuivi hein, plutôt oui, Pas rattrapé. C'est jamais. Et euh, j'ai fait un bac philo à l'époque euh, euh, avec une spécialité. C'était. J'étais grand débutant espagnol. Oui. Et, euh, et j'ai eu mon bac. Ensuite, je me suis inscrit en fac de philosophie à Créteil. J'ai fait au moins quatre bonnes heures ah quand même et puis après j'ai lâché 100 ans que c'était pas pour moi voilà. alors en revanche bon il y a des filles d'à côté qui sont mmh. comme mais au cinéma faut le préciser euh, ah, Germain, le chapeau. vous avez démarré avec Jean-Luc Godard Exactement, <laughs> avec le grand Jean-Luc. Il y a quand même ouais, un, un, un fossé entre les filles d'à côté. J'ai ouais, travaillé avec Jean-Luc Godard hein, dans Paris, ah. je crois. C'est ça. C'était un. Alors c'était euh, c'était un, un dans un univers de salle de musculation. Euh, ne demandez même pas le rôle ni ce que j'y faisais. Et je n'ai rien compris encore aujourd'hui. Personne n'a rien compris à Godard. Mais comment vous êtes arrivé? À... <laughs> mais Godard. en fait, je m'entraînais dans une très grosse salle à Paris, qui était une des plus grosses salles européennes. Et puis il a débarqué un jour là-dedans. Il a fait une sélection et, et puis et puis il m'a choisi. Voilà. Et vous avez aussi joué dans les visiteurs, mais vous n'êtes pas au générique. <laughs> non. Mais alors ça, ce qui est extraordinaire, alors j'ai joué, non, non, alors j'ai fait une sorte de figuration. Pour tout vous dire pour tout vous dire, ça aussi, c'est une sacrée histoire, c'est que, en fait, dans, dans, dans Les Visiteurs, mon frère, qui est plus âgé que moi, qui a une, 10 ans de plus que moi, faisait des effets spéciaux pour le cinéma. Il, il était man-painter, il a fait du glass-painting, etc. C'est des effets. Bon, bref. Toujours est-il qu'il était sur ce film. Et puis, euh, et puis euh, je me retrouve à un, à un dîner chez mon frangin, et qui... Il euh, y a une personne qui s'appelle, et c'est vrai, Jean-Paul Gueux, et je m'en souviens mais parfaitement, Jean-Paul Gueux, qui était le premier assistant de réalisation. Et, et on passe une soirée, et puis ni, ni je suis comédien, ni quoi que ce soit. Et il euh, me dit Putain, mais t'es drôle, toi, comme une garçon, c'est dommage. Je suis en train de travailler sur un film qui s'appelle Les Aventures de Louis VI le Gros. Et, euh, et c'est con que, que je t'ai pas connu, parce que j'aurais peut-être eu un petit rôle, un petit truc. Avec... Bon, voilà. On oublie cette affaire. Je démarre Les filles d'à côté. Et un matin, je m'en souviendrai toujours, téléphone sonne, je décroche chez moi avec le grand fil, on n'y avait pas de portable et on me dit Gérard, tu te souviens, bah oui, je me souviens très très bien, Jean-Paul Dieu, on s'était et tout. Écoute, je suis à Villejuif et je suis à, dans dans un, dans l'hôpital spécialiste de Villejuif, tu voudrais pas passer la journée avec moi, on s'était bien marré. Oh ben, tu veux voir un tournage et donc j'y vais. Et quand j'y suis arrivé, quand je suis arrivé là-bas, il m'a dit "Tu veux pas prendre une blouse et, tu... et je me suis retrouvé avec une blouse à raccompagner Jean Reno. Et l'affiche sur Paris, c'était... Euh, euh, il euh, y avait Jean Reno, Clavier, Le Mercier, et moi. Et tout le monde pensait que... Putain, Vides, c'est putain, t'es dedans. Ah non, rien du tout, rien du tout. Je suis pas au générique et c'est normal, j'étais que figurant. C'est extraordinaire, ça. Et incroyable. Et puis il y a aussi les nuls. Il est trop fort cet homme. <laughs> non mais après après les visiteurs les nuls oui. c'est quand même c'est un sacré truc. Oui. Et c'est pareil c'est ma première émission en direct et là toujours pour mes qualités intellectuelles et, et de, de jeu de comédien on m'a demandé de me mettre en déba, de débardeur de bien de bien me muscler prendre de l'huile de thon pour me, me passer sur le corps et rentrer dans pour aller voir Pénélope Solette en disant Jim j'ai fait deux heures de gym Jim viens et c'était moi qui débarquais. Voilà grand grand rôle. Mais un grand rôle comme ça. Tout à fait. Mais ça c'est un peu arrangé dans les grands rôles ensuite, parce que votre musc... J'attends au pire. Ah non non Bon, c'était pas le pire, c'était même le meilleur. Et c'est une autre date importante, le 3 janvier 1998. À tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Vives. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité, Gérard Vivès. Nous parlerons tout à l'heure de vos débuts au théâtre à Paris dans Le Coucou avec Mette au théâtre Edgar. Et on a évoqué les filles d'à côté. Vos débuts à la télévision, ce rôle, ce rôle surréaliste qui vous a permis d'être encore célèbre aujourd'hui au jour le jour. Et si je parle du 3 janvier 1998, c'est aussi une date importante. Écoutez ce générique. Vous êtes dans un Fort boyard spécial Nouvel An, quatre épreuves et quatre victoires, ce qui est une performance. Alors pour pour un, je me rappelle très bien. Alors c'était ça devait passer euh, bah pour le, la, la nouvelle année et moi j'étais hyper honoré parce que bah parce que je me dis, tiens moi on m'invite moi Gérard Vives, dans une dans une émission où, où c'était enfin pour moi en tout cas des, des vedettes même si c'était un mot maintenant bah qu'on n'emploie plus mais c'était quand même des vedettes et je me suis dit bah... C'était, très, très curieux pour moi de me dire, tiens, mais vous voulez vraiment m'inviter, moi, à faire, à faire Bob Et je me souviens. Donc effectivement, je fais quatre épreuves victorieuses. Mais j'étais comme un, comme un, comme un, dingue. Parce que pour moi, il fallait, je, je me rendais pas compte que c'était aussi de la télé. Je m'étais, je m'étais défoncé. D'ailleurs, il a fallu arrêter l'émission. Il a fallu me recoudre une cheville. Dès la première événement, j'avais pété tout le décor, je voulais absolument tout gagner, j'avais arraché un décor, c'était un, un bateau qui tanglait. j'avais tout arraché, il a fallu me recoudre une cheville, dit, vous m'arrêtez pas, vous m'arrêtez, j'y retourne, j'y retourne, j'étais comme un malade, mais comme un malade. Vous connaissiez le jeu avant Bah je regardais, j'avais déjà vu effectivement un petit peu. Alors il y avait aussi un pain de glace que vous avez fait fondre, Exactement. un labyrinthe avec une perche métallique, oui, et surtout vrai. vous avez gagné contre le maître le maître du temps. Ouais. Je me souviens, c'était sur euh, tenir, une, euh, tenir, tenir une charge le plus longtemps possible. Ouais, J'avais fait ça, mais comme, un, comme une épreuve sportive. C'était vraiment un super souvenir. Et l'émission était encore présentée par Patrice Laffont et Sandrine Dominguez. Exactement. Ce n'était pas encore Olivier non, Exactement. Alors, vous jouiez pour une association qui s'appelait Ouverture. Voilà, je m'en souviendrai absolument pas. Je sais qu'il y avait une candidate qui était avec nous, qui était une danseuse du Crazy Horse. Oui. Enfin, ça, je m'en souviens. C'était oui. une très, très jolie femme. Et, euh, et voilà, et on avait gagné. Voilà. Alors, il se trouve que finalement, ça a été un fort boyard, mais je crois que vous êtes un des sociétaires euh, les plus présents. Vous êtes le doyen, et je crois que vous avez. Le doyen, surtout. Ouais. Et je crois que vous êtes la quatrième, euh, quatrième place dans les invités. Ouais, J'en ai fait sept ou huit, ouais. mais c'est vrai que mon premier, c'était donc cette date-là. Mais à chaque fois, vous y retourniez avec bonheur Oui, à chaque fois, ça a été euh, vraiment mais aussi avec le stress parce que parce que parce que faut réussir des épreuves parce que je veux pas passer pour voilà quand quand je vais quelque part j'ai pas envie d'être le dernier et c'était vraiment euh, c'est des émissions que je préparais même très très euh, très fortement ou très intensément sportivement pour être vraiment à la hauteur oui mais en plus le jeu a évolué puisque ouais. vous avez vu cette évolution aujourd'hui ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était ben, alors je comprends, il hein, faut, faut marcher avec son, avec son époque, mais je trouvais que les épreuves, euh, les premières épreuves de force, quand le numérique et c'est, un peu dans l'émission, j'aimais moins, mais maintenant ça, 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 ça revient. Hein. Mais j'aimais bien les, les émissions où il y avait des épées à des, des sortir, des, des poids à traîner, etc., etc. Mais, euh, mais bon, il faut vivre avec son temps. Voilà. Et il se trouve aussi que le jeu évolue au montage. Avant, ça se montait en deux, trois jours une émission. Maintenant, il faut 40 jours tellement il y a de, de, de problèmes ah, numériques à là, régler. Vous me l'apprenez ce que je savais absolument pas. Alors ça, ça a été fort boyard. Oui. Mais la télévision, il y a aussi un autre jeu qui vous a marqué. Oh. Ah bah oui, oui. Incroyable, incroyable. Vous êtes devenu Gérard Rivière, le Père Noël du Juste Prix. C'est ouais, super. Bah, C'est euh, une très grosse aventure avec Vincent Lagaffe et euh, qui m'a qui m'a vraiment laissé une entière liberté sur cette émission. Euh, J'écrivais les sketches parce que l'idée c'était Vincent. Vincent au départ voulait qu'on présente à deux l'émission et je lui dis non, 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 c'est toi la vedette, c'est toi le présentateur. Et donc toi tu seras Vincent Lagaffe sur scène, c'est toi et moi je serai In the public. Donc je n'étais pas la voix off, mais j'étais in the public. Et et, et l'idée que je lui avais je lui avais exposé, ce serait Gérard Vives parce que les gens savaient, on avait fait beaucoup d'émissions ensemble, qu'on était qu'on était potes, qu'on se qu'on se respectait beaucoup. Et l'idée c'était que Gérard Vives vienne dans cette émission. Alors bien sûr, je présentais les articles, j'avais plein de choses à faire, à offrir, les cadeaux, etc. Mais je faisais des sketches qui faisaient que, en gros, Gérard Vives débarquait dans cette émission là euh, pour aider un peu Vincent. Et, et ça amenait amené des, des situations. J'espère qu'aucun c'est drôle. Il y avait même eu un DVD. C'est C'était... Ouais, avec ce DVD un, sorti en 99. Ah, alors ce DVD, alors je fais une erreur parce que en fait c'était plutôt... Alors je, je, je parlais là une, de juste prix, c'est drôle de jeu. C'est drôle de jeu. C'est avec des sketchs. Exactement. Alors, alors oui, alors... C'est moi, vous voyez, comme quoi, va falloir que je, que je remette les neurones en place. En fait, les drôles de jeu, c'était une émission où là, je faisais, quand j'étais dans les filles d'à côté, Vincent Lagaffe me remarque sur les, les filles et me dit, tiens, il faudrait l'inviter, Et je devais participer à des émissions de sketch où nous étions huit personnalités entre guillemets connues du, 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 du milieu télévisuel ou cinéma etc et il me demande de, de participer à une émission J'ai eu un tel, un tel je vais pas dire enfin, le public m'a tellement aimé qu'en fait Vincent m'a fait revenir il m'a fait revenir 17 fois et 17 fois le public qui votait m'a fait gagner les émissions donc c'était hallucinant. C'était une émission où il y avait des histoires drôles, je crois. Exactement, c'était des histoires drôles. Et quand vous, vous faisiez allusion à une cassette, effectivement, euh, TF1 a, 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 a demandé à ce que l'émission qui s'appelait Drôle de jeu qu'on puisse sortir une VHS. Là, 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 on a perdu beaucoup de monde. Là, là, ils ne savent plus euh, ce que c'est. Donc c'était des, des cassettes vidéo, des cassettes vidéo, exactement. Le DVD, ouais. Et voilà, qui a remplacé exactement, qui a été remplacé par le DVD. Et donc, euh, TF1 avait trouvé mes participations suffisamment drôles pour qu'on en fasse. Un DVD, enfin un DVD, non, une cassette vidéo justement, sur moi qui s'appelait drôle de, drôle de Gérard et on revoyait tout, tout ce que j'avais pu faire. Alors il se trouve aussi que le juste prix a failli vous coûter la vie, Gérard Vies. Oui, ouais, ouais. ça c'était en octobre, euh, le 10 octobre, en fait euh, j'écris un sketch où, on, où je demande à ce qu'on m'accroche à une pelteuse et Vincent, je sais qu'il est capable de, de piloter les vues, parce qu'il il a les permis, et puis euh, tout se passe bien. Et puis, euh, euh, en direct, on, on, on fait monter la pelteuse à 3 mètres, enfin le bras de la pelteuse et puis après on le monte à 5 mètres, et puis on a commencé à, à, à me faire tourner. Et puis la force centrifuge a été plus forte que le câble, et tout a lâché, et je me suis écrasé. C'est terrible, ça. vous avez cru mourir là. Alors, je, je me suis rendu compte euh, après que je ne devrais plus être là. C'est-à-dire que moi, je suis tombé dans le commun. Je me souviens pas du tout. Quand on m'a réanimé, je, je, je savais qui j'étais. Je savais que j'étais sur le plateau du juste prix. Mais c'était le, ça a été le trou noir. Et puis, euh, ça a duré trois, euh, quatre mois de convalescence. J'ai réussi à, à récupérer. Je me suis entraîné dès que j'ai pu, me remettre en, en, en forme, et j'ai repris les tournages parce que je voulais absolument revenir dans les dans les tournages, montrer que j'étais là. Et on a fait une super saison. Mais j'ai eu une espèce de de pas dépression, mais il y a eu un moment donné où bah, je me suis aperçu, mais mais peut-être un an après, je ne sais pas que. Bah, je devrais plus être là, quoi. Et donc j'ai pris, j'ai pris quand même une grosse tarte, on va dire. Mais euh, mais voilà, ça s'est bien passé. Et je suis reparti. Puis les spectateurs vous ont témoigné de l'affection. C'est incroyable. Non. non mais c'est incroyable. C'est-à-dire que les gens bon, je... bah, après avec les réseaux sociaux, avec les, les lettres qu'on recevait, ça a été, euh, ça a été hallucinant. Ouais, ça a été vraiment. Et les gens étaient vraiment touchés aussi. Et le juste prix, c'est une formule américaine qui est née en 1956, ouais. qui, a, qui a fait une grande carrière en France. Et la gaffe justement était un personnage qui pouvait apporter quelque chose que les autres ne pouvaient pas apporter. Bah, ça... Apporter quelque chose de nouveau et puis là c'était euh, habituellement c'était présenté par un seul présentateur moi à l'époque c'était ça avait été euh, euh, philippe risoli oui. euh, même s'il y avait eu roi avant euh, et, et là le fait d'avoir un duo et, et comme on était déjà un duo qui avait existé au travers des émissions de rôle de jeu et eh ben ça a donné une autre dynamique et ça, il y avait une partie aussi comique dans, 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 ce, dans ce jeu dans cette émission vous avez fait quelques apparitions dans le big deal ensuite Ouais, parce que Vincent à chaque fois qu'il y avait des gros gros, par exemple la millième ou les anniversaires de, de, de l'émission, ben Vincent c'est vrai a toujours eu a toujours pensé à moi, a toujours eu cette gentillesse de, 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 de m'inviter. Et, et ça aussi on vous en parle encore du juste prix. Mais tout le temps ce duo aussi de de Vincent et et, et, et moi, c'est quelque chose qui revient. Mais Très souvent, mais vraiment, c'est presque journalier. On nous dit mais quand est-ce qu'on va vous revoir Quand est-ce que vous allez revenir Quand est-ce que... Quand est-ce que... Et Vincent Lagaffe a raconté ses souvenirs en racontant sa vraie vie. Il s'appelait Franck. Oui. Vous étiez au courant de, de, de sa vraie vie Oui, 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 parce que maintenant, en fait, on est, on se, on se, on se connaît depuis maintenant de nombreuses années. Donc c'est vrai que j'étais au courant de tout ça. Ouais. Oui. Et puis il y a une autre émission, Jim, que vous avez présentée sur une petite chaîne. Ah, Alors. Alors, c'était dans une, ça a été, ça a été sur le câble. On m'a rappelé pour faire, en fait, j'avais deux émissions. Une émission de découverte de sport. J'avais écrit un concept pour découvrir des émissions de sport et aussi, ce, ce fameux, c'était des modules de gym où j'apprenais aux gens donc il y a bien longtemps avant que ça existe, les tutos etc. puisque les Instagram et les Facebook n'existaient pas encore, je faisais des modules de gym que l'on pouvait pratiquer chez soi. Pareil, c'était sous forme de deux sketchs, j'avais pris des copains autour de, de mois et tout et je faisais ça dans une salle de gym qui, qui, qui m'appartenait et ou dans votre cuisine ou votre salle à manger et je commençais à donner sous forme humoristique de vrais conseils de gym et les gens étaient contents. On a besoin de faire de la gym. Finalement. Bah, oh, qui, qui pourrait dire le contraire Moi, à l'époque. Tu... Non, non, oui. ouais. Après, il y, y a une chose, c'est que c'est vrai qu'à l'époque où je suis arrivé à l'antenne, un culturiste c'était hyper mal vu. À l'époque, on disait vous avez un, un, un muscle et deux cerveaux. Oui. Aujourd'hui. Tout le monde fait de la gym, tout le monde fait de la musculation, les femmes également. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image, la santé, c'est devenu, devenu un, je sais pas, un secteur d'activité incroyable. Quoi. Oui, alors une autre date importante pour vous aussi, et elle est liée au sport également, c'est le 6 octobre 2012. À tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Vivès. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gérard Vivès, début au théâtre à Paris dans le Coucou, une pièce au théâtre Edgar. On va en parler tout à l'heure, on a évoqué les filles d'à côté, Godard, euh, Le Juste Prix, c'est quand même un parcours assez étonnant. Mais il y a aussi une date importante, c'est le 6 octobre 2012. Si ça ne vous dit rien, écoutez ceci, ça va vous dire quelque chose. Vous avez participé Gérard Vives à la troisième saison de Danse avec les Stars, avec une partenaire qui se prénommait Sylvia. Tout à fait, Sylvia Not Notar-Giacomo. Alors que, comment c'est arrivé, ça Pareil, on m'appelle, on me demande de, de, si je veux faire un essai sur une émission qui s'appelle « Danse avec les stars ». Alors, comme je ne regarde pas beaucoup la télé, je me renseigne on me dit « mais c'est une émission de danse ». J'écoute pas de musique, je déteste danser. C'est bien parti. Alors, je me dis « c'est fait pour moi <laughs> ». Parce que c'est tellement incroyable. Je me dis euh, « mais il y a beaucoup d'entraînement, je comprends, on me fait comprendre que on est filmé, on va te voir à l'entraînement, on va te voir vivre et tout ». Et euh, bah je me dis, bah pourquoi pas, c'est tellement à 100 000 kilomètres de moi, à 100 000 lieues de moi, que bah ça m'intéresse. C'est vraiment un truc incroyable. Et donc, je fais les essais et puis on me prend. J'avais fini, moi, le, le, le juste prix. Je fais des essais et me voilà embarqué sur cette émission. Et ça a été, surtout pour ma danseuse, pour ma partenaire, Sylvia. Elle a... Bon, on s'est marré, hein. vraiment, on s'est marré. Mais en gros, on a 4 heures d'entraînement par jour, à peu ouais. près. Alors les plus doués, au bout d'une de, demi-heure, ils pichent tout. Enfin, les musiciens, les danseurs, tout ça, ils pichent tout. On est arrivé à danser, et c'est la réalité, à danser jusqu'à 11 heures par jour, tellement je ne comprenais rien. Non mais j'étais largué. Un truc tout simple, donc j'écoute pas de musique. Donc quand on me disait, alors Gérard, c'est très simple, on compte en temps, c'est des temps de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, t'es prêt T'es prêt. 7, 8. Attends, 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 tu m'as dit, on fait de 1 à 8, tu commences par 7. Rien que ça déjà J'étais largué. Ça a été l'enfer. La deuxième chose qui est vraie, que, que j'adore, je vous jure que c'est vrai, c'est que... Avant de démarrer la première émission, on a des entraînements hors caméra. Et puis ensuite, la semaine où, où l'émission va, va, va démarrer, va arriver à l'antenne, on nous filme pendant une semaine. Donc j'ai trois semaines à me préparer avec tous les jours la même musique. C'est Call Me Baby, d'accord Je dois danser là-dessus. Au bout de deux semaines, je l'écoute jusqu'à 10 heures par jour. Quand elle me mettait la musique, j'ai dit, oh Sylvia ah ouais, celle-là, j'aime bien celle-là, celle-là j'aime bien. Mais Gérard, ça fait deux semaines qu'on en, j'arrivais même pas à la reconnaître. Mais ça a été l'enfer pour moi, d'où beaucoup de fou voilà, mais alors il a fallu danser, parce qu'à chaque fois c'est une danse différente, chaque semaine. Oui, alors faut, faut trouver un autre verbe, il a fallu bouger, danser, est-ce <laughs> qu'on pouvait dire que je danse, je, 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 je manifestais, je faisais des mouvements. Voilà, voilà, je faisais des mouvements. Mais à chaque fois c'était un tango, c'était un rock. Exactement, ouais, Vous, vous n'aviez jamais dansé, vous avez pas dans les boîtes de nuit. C'était pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et donc j'ai tout appris là, et c'est ce que je dis plus sérieusement, même si tout ce que je dis est, est vrai, c'est que j'ai trouvé que c'était beau. Cette émission, là, quand je suis arrivé, le plateau, c'était, c'était, je, je, je l'ai souvent dit, j'ai connu le beau. C'était vraiment quelque chose. De, on était d'abord hyper bien habillé, sur mesure. les musiques étaient extraordinaires, Les danses étaient belles, même si c'était moi qui dansais. Bon, bref. Mais en tout cas, les, les images étaient, c'était sublime. C'était vraiment un euh, très très bon souvenir. Oui, mais être un sportif, ça avait un avantage quand même pour euh, bouger. Ouais, oui, alors quand on le dit comme ça, c'est oui, mais par exemple, un altérophile, vous voyez, en danse classique, parce qu'on m'a fait ça, hein, On m'a fait aller dans une, on, je, je suis allé dans une, une académie de danse classique avec un, un, une professeure russe. On s'est marré, surtout elle. Hein. Non, mais c'était une, une catastrophe. Non, non, c'était une catastrophe. c'est-à-dire que l'élégance Pietra Gala, qui était là, qui était une des jurés, me disait "Cher, il faut que tu sois élégant jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des doigts." Mais je, je, parce que les doigts, ça peut être élégant, je ne savais pas. Et donc, ça a été, euh, non, mais ça a été une découverte. Et ce qui était bien, c'était l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Ce qui était bien, c'est que je n'avais rien à voir avec ce, avec ce, ce, ce monde-là. Et c'est pour ça que c'était intéressant. Alors, vous avez quand même tenu euh, six semaines. Vous avez été éliminé le 17 novembre. Jacques, hein je vais même aller plus loin. Ouais. Si vous regardez les 12 ou 13 émissions, sachez que je suis le seul éliminé qu'on a fait revenir danser en finale contre, contre Chris Marquez. Parce que je pense qu'il y a un côté plus comique avec moi que ouais. certains. Et on dit, lui, il faut qu'on le, qu 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 le ramène. Et j'ai dansé alors que j'avais été éliminé. Alors, vous n'auriez pas dû tenir deux semaines à ce rythme. Alors, j'avais quand même cette conscience de me dire... C'est sûr que je vais faire l'imbécile, c'est sûr que je suis là aussi pour faire rire les gens et que j'étais là pour ça aussi. Mais par respect aussi, parce qu'on bossait, parce que vraiment, quand je suis à l'entraînement, je bosse. Moi, j'ai eu, euh, j'ai eu des, un, un, kiss poplité, une déchirure sur les ligaments croisés, j'ai eu des mini fractures sur le, le plateau tibial, mais j'étais détruit, j'ai perdu 9 kilos avant de danser, il y avait un, 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 un kiné, un chiropracteur qui venait, et j'avais 45 minutes, je ne marchais pas avant de rentrer sur le plateau. Mais je voulais, d'abord, pas que, qu'on le sache, et je voulais surtout, euh, que ma, que ma danseuse ait dit, ouais, j'ai une quiche avec moi, mais, mais c'est une quiche qui en veut. Voilà. J'étais une quiche, Volontaire. Très bien, bien. Alors, c'est Emmanuel Moir qui a gagné, je crois, devant Abel Ben. Tout à fait. Et puis, vous étiez en finale. Oui. Ça, mais ça vous a ouvert des portes d'autres émissions, notamment une émission qui n'a pas eu le succès qu'elle méritait, ce qui est Le Grand Plongeon. Ah, ah. ah. Alors là, TF1 a voulu que, que je fasse, euh, commencer à me faire faire des pilotes pour et, à, à animer les émissions. Et c'est vrai que je me suis retrouvé sur l'émission qui s'appelait Le Grand le oui, le Grand Plongeon, tout à euh, fait. Oui, voilà, splash, le Splash. Je... Et on, on tournait ça à Schiltikheim, euh, euh, en Alsace. Et, euh, et ça a été euh, une, une émission qui a été présentée, enfin, qui était co Qui était co Il y avait. Qui euh, euh... ah, pff... fait le sport, maintenant? Euh... On va la retrouver, oui. on va la retrouver, on va la retrouver, voilà. Et je me suis retrouvé effectivement à, à présenter, à co-animer cette émission. C'est un nouveau métier pour vous C'était un, alors c'est un nouveau métier. Effectivement, en tout cas, il était différent de ce que je faisais avec Vincent. C'était un peu plus solennel, même si. Encore dans cette émission-là, j'amenais des sketchs. Oui, et le plonger, c'était un métier. Est-ce que le sportif que, ouais. que vous êtes savait plonger J'ai le vertige. En oh. fait, j'ai l'apparence d'une Formule 1, mais en fait, je suis une, 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 un, une caisse à savon. En fait, c'est exactement ça. Il y a, y, a, y a une photo extraordinaire, je ne sais pas si vous la connaissez, une, une plongeuse, Fu Mingjia, qui est participée aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1993. Mm -hmm. Et son saut est tel qu'on a l'impression qu'elle vole dans les airs. Il y a un photographe qui a pris ça, mm -hmm. avec la ville de Barcelone derrière. C'est extraordinaire. Il que cette photo a fait la une du Time voici quelques années. J'ai pas fait la une du Time. Non mais ça viendra. Voilà. Ou peut-être de journaux plus connus <laughs> peut-être. Et alors euh, je crois que c'est Clément Lefer qui a gagné le grand plongeon. Euh, qui c'est qui a gagné C'est possible. C'est possible parce qu'il était très très fort. C'est un ancien champion olympique. Oui, mais en même temps il y a eu Daniel Evnou qui a plongé et oui. ça, ça, là qui aussi. a sauté. Oui. Non elle a plongé. Oui. Non non très juste. Elle a sauté la tête en, pre en premier. Elle a... Oui, elle a plongé. C'était assez, assez surréaliste. Ah, complètement. Complètement. Mais connaissant Daniel pour avoir travaillé avec elle. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Et vous savez qu'elle mélange les mots. Depuis son enfance, elle a eu un problème d'électrode. Et lorsque son mari <laughs> est là, c'est mort, euh, euh, Georges Filliou, elle a demandé aux gens, elle a aux gens, venez le voir au funérarium. Elle a dit, venez, venez voir Georges Filliou au Bush Palladium. <laughs> c est, c est bon. ça l'a fait rire. Mais, mais ça ne m'étonne pas. C est, c est Daniel, c'est un être incroyable. Et encore une fois, c'est une expérience supplémentaire. Oui. Et ensuite, il y a eu une autre expérience, c'est l'aventure de la télé-réalité avec « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ». Ça, vous avez hésité avant d'accepter Gérard US bah, Tout d'abord, euh, télé-réalité. Je déteste ça. C'est quelque chose que, que je ne supporte pas. Mais dans cette émission, quand on m'a présenté l'émission, il y avait quand même un élément qui a déclenché mon oui c'est que vous jouiez. On était 11 personnalités. Chacun défendait une association, c'est-à-dire qu'on ne jouait pas pour gagner de l'argent c'était pas des gains personnels et en plus le vainqueur en fait pendant toute l'émission pendant la durée de l'émission on faisait des épreuves en commun pour rassembler une grande cagnotte la plus grosse possible pour que le dernier de cette émission le vainqueur de mission puisse donner cette cagnotte à son association et je trouvais que c'était c'était pas comme d'autres émissions où eh ben il va y avoir des coalitions on va on va s'arranger être avec quelqu'un pour pour pouvoir battre le meilleur et là je trouvais qu'il y avait du mérite c'était sportif c'est à dire qu'une Normalement, le meilleur, c'est le meilleur qui gagne, il n'y a pas de coalition. Et ensuite, euh, et ensuite euh, on va donner cette somme qu'on aura récoltée ensemble, en commun. Euh, à une association. Je trouvais que c'était super bien. Et vous vous êtes retrouvé en Afrique du Sud, oui. au parc de Kruger, qui est un, un parc de 20 000 km2, c'est insensé. C'est, paraît-il, la plus grande réserve du monde. Alors, j'en je, ai pas vu grand-chose que nous, on nous a largués en un point et euh, coupés du monde sans aucun, aucun repère de temps. Alors, on n'avait pas l'heure, on n'avait pas de portable, on n'avait absolument rien du tout. Et on n'était on pas là pour visiter. Hein. Croyez-moi qu'on n'était pas là pour visiter, d'autant plus que toutes les épreuves étaient basées sur deux choses, vos peurs, vos phobies. Et, et puis un élément qui est incroyable et qui, et qui vraiment donne une autre dimension à l'émission c'est que on ne mange pas. Donc on est on, moi j'ai perdu plus de 14 kilos. et donc on, on s'affaiblit même mentalement, physiquement, on perd des, des, des capacités intellectuelles. Déjà j'arrive pas avec une base bien bien énorme, hein, je suis à, à, je suis à 250 KO moi à peine. Donc, euh, donc le disque dur est très faible et puis il est vieux euh, et donc euh, et donc euh, c'était un truc hallucinant c'est Alors vraiment, pour le coup, c'est le truc qui m'a marqué le plus dans tout ce que j'ai pu faire professionnellement, et c'est quelque chose qui me marque encore. Voilà. Il faut savoir que ce parc national Kruger, euh, la présence humaine remonte à un million et demi d'années, et un peuple autochtone d'Afrique est là depuis cent mille ans. Et c'est assez extraordinaire. C'est un lieu unique au monde. Alors, vous euh, vous êtes battu euh, finalement, euh, et puis ben, vous avez gagné, et j'ai gagné. Devant Frédéric Bousquet, quand même. Je gagné devant un champion du monde, champion olympique, recordman du monde. Et je dois dire que là, c'est le. Enfin, voilà. Pour une fois, je peux dire, j'ai été le meilleur. Alors, comment vous avez fait Ça a été un combat pour gagner une, une, une force une force en vous C'est difficile à, à définir, Ce que je me souviens très bien de cette épreuve finale qui a été d'une horreur incroyable, hein, puisque c'était 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 incroyable c'est-à-dire qu'au bout d'un mois vous êtes hyper affaibli je suis amaigri je suis la tête elle elle, elle fonctionne plus très bien et je dois tenir à bras tendu une un, une balle un, une boule entre deux, deux bâtons et je reste je reste 59 minutes et 45 secondes alors que Frédéric Bousquet tient 16 minutes et quelques secondes pourquoi je crois J'étais prêt, euh, je, je, me, je me souviens très bien, je, je le disais, je, je voudrais qu'il m'arrive quelque chose. J'aurais préféré que avoir un malaise, m'écrouler, ne pas me dire, parce que si on disait je suis une célébrité, sortez-moi de là, ou si je lâchais, ça s'arrêtait et je faisais perdre mon association. Et, et ce que je regrettais, c'est d'être aussi résistant. Je me suis dit bah, j'espère qu'il va m'arriver quelque chose, j'espère qu'il va, je vais avoir un malaise, je vais faire, j'espérais je, que ce soit pas moi qui décide. Et puis ça a été, je suis resté conscient, 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 mais le corps a lâché. Mais il s'est avéré que quand, on, quand il y a eu la diffusion, bah, j'ai appris que j'avais gagné l'émission. Vous saviez pas avant Non, pas du tout. Comment ça se fait ben parce que en fait, pour qu'on on a fini l'émission parce que ça s'est tourné parce que pour des raisons de temps et de climat, j'ai fini fin mars et j'ai su le jour de la diffusion oui. que j'avais gagné. Pourquoi Pour ne pas qu'on qu divulgue le secret le, pour que, garder l'intérêt de l'émission. Mais vous aviez vu que vous aviez gagné puisque... Non, non. je vais vous dire non. Pourquoi Parce que nous avions passé les épreuves euh, la finale individuellement donc c'est la seule fois où on nous a coupé du monde. On nous a séparés chacun d'un côté et on n'a on plus vu nos camarades. Nous étions quatre en finale. On a été coupés et on ne s'est pas vu. On n'avait plus le droit de, dès le matin de, de se parler. On a été coupés et on s'est retrouvés qu'à la fin des épreuves. Donc personne ne savait ce qui s'était passé sauf peut-être les cadreurs. Et vous avez rapporté 138 euros à une association Exactement. J'ai donné 138 000... Enfin, j'ai donné. Non, non, non. Vous avez raison. J'ai rapporté 138 000 euros à l'association La Sapodia, qui, 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 qui milite pour le don des cellules souches, afin de lutter contre les leucémies et les cancers. Et voilà, une aventure de plus, une autre commence le 3 octobre 2023. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Gérard Vivès. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Gérard Vivès. Alors, on a parlé des filles d'à côté, de Godard, de la télé-réalité, de vos victoires. Et puis, à tout ce parcours télévisuel, s'ajoute maintenant un parcours théâtral, puisque le 4 octobre 2023, vous êtes sur la scène du théâtre Edgar euh, pour vos débuts dans une pièce qui s'appelle Le coucou là encore, c'est une nouvelle aventure. grosse, grosse, grosse aventure avec beaucoup, beaucoup de pression dans ma petite tête. on se euh, voilà, euh, lucas mette m'a appelé, m'a proposé une pièce et, et pourquoi je dis oui? d'une part parce que c'est le rôle que j'ai à interpréter et vraiment bah, c'est presque Jusqu'à présent, si on fait un peu attention à mon parcours, c'est presque toujours de, du le, le, le contre-emploi. Et là, je deviens, un, je suis comme un, un directeur d'une grosse société, et je suis un monsieur euh, tout à fait entre guillemets normal, classique. Et je me suis dit, bah et pourquoi pas voilà. Et comment il a pensé à vous et il a, il devait avoir plus personne. Il, ah, a oui. dû, il a dû, il a dû, il a dû bouffer tout son jardin Il dit, ben bah non, vivesse, vivesse. Putain, j'étais dans en les V en plus, donc, plutôt le dernier. Il vivesse, bon, bah, écoute, on n'a pas le choix. On va le prendre, tous les autres sont occupés. Voilà, non. En fait, en fait je crois qu'il a dit que vous aviez un potentiel de théâtre. Écoutez, alors là, franchement, c'est une question que, que, je ne lui ai jamais posée, que j'oserais jamais lui poser de peur que, voilà, de peur. Voilà, donc je. Voilà. En tout cas, c'est à moi maintenant de travailler, de de bosser, darrache pied, de comme un sportif et d'être le meilleur possible le jour J. Alors il se trouve que bon, c'est une comédie. Vous êtes le directeur charismatique d'un grand groupe. Vous invitez à dîner votre comptable, qui est Quentin Michelot, qui est joué par Lucamette, parce que il faut arranger un bilan financier qui risque de vous mener tout droit en prison. C'est ça. Je suis pas très clair comme comme Monsieur. Je suis pas très. Je suis pas fréquentable. Je suis pas. Je suis pas. Un... Je suis pas un méchant. Mais bon, voilà. J'ai pas peur de, de frauder, j'ai pas peur de. J'ai une très haute opinion de moi. J'ai, voilà, j'ai pas trop de morale. Je suis prêt à tout pour réussir, mais j'ai au-dessus de moi un big boss qui, lui, me met la pression constamment. C'est-à-dire bah, on fait des coups euh, peu avouables ensemble, on, on folle ensemble. Je couvre ces coups entre guillemets ouais. et, euh, et, et voilà. Donc, je suis en, engagé aussi dans un drôle de système. Et le comptable arrive. Et le comptable qui, lui, est, 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 est pur comme la neige qui vient de tomber, mais il, je le considère comme l'abruti, mais vraiment l'abruti, quoi. Et je vais m'en jouer, mais... Mais... Alors... Il y a Emmanuel Boisdron qui joue votre tout à femme, euh, qu'on a connue dans la qui est régulièrement dans les spectacles de la de gare, oui. Et elle aussi, elle a un rôle un petit peu ennuyeux. C'est-à-dire qu'elle est contrariée par tout ça Alors, elle est, elle est, non seulement elle est contrariée parce que son mari l'entraîne dans des situations qui, qui sont dangereuses même pour elle et pour leur vie. Et euh, mais elle va subir aussi... Euh, alors, je ne le dis pas, mais elle va subir un, un phénomène qui va faire qu'elle va avoir un, un comportement extrêmement bizarre et changeant dans cette pièce. Alors c'est une sorte de dîner de con tout ça. Alors c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à lire, c'était un dîner de con. C'était le, le dîner de con, on se dit, tiens, ben, y a le, on va se, se, se moquer d'une personne, mais en fait, il euh, y, a, y a vraiment un vrai, y a un vrai changement, il y a un basculement dans la pièce qui est archi surprenant, qui est vraiment très, très, très intéressant. Vous le dîner de con de Francis Weber, c'est né parce qu'un soir, chez Castel, euh, il a assisté à un vrai dîner de con euh, qu'organisait régulièrement Jean Castel, avec des amis dont Jacques Martin. Chacun a amenait son con. Non, c'était pas. Vrai. Ça existait, ça se faisait pendant des années, et ça marchait très très bien. Et Francis Weber, d'ailleurs, s'est demandé s'il n'était pas, pas le con ce soir-là, parce qu'il parlait que de cinéma, et ça a donné une pièce de théâtre avec Claude Brasseur oui. et Jacques Vidré, qui est devenu un film culte. Mmh incroyable mais je savais pas je pensais bon, pas que l'anecdote est... enfin c'était des faits euh... une... enfin, c'était tiré de la réalité quoi ah, oui, oui. parce qu'il faut quand même y aller se je... dire tiens j'invite un, un, une personne avec moi parce que je pense que c'est vraiment le le con, le con de la soirée ah, mais ça se faisait. Ils s'ont jamais fait péter la tête. Eux, après. Mais jamais, ça a très bien marché. <laughs> Pendant des années. Et Patrick Topaloff est devenu aussi, euh, animateur regretté, un spécialiste du idée de con. Voilà. Alors, le problème aussi dans cette pièce, c'est le problème d'une ressemblance entre les personnages, ressemblance qui n'existe pas. C'est une ressemblance qui n'existe absolument pas, mais elle est liée justement à ce phénomène euh, surnaturel. Il se passe quelque chose qui fait que, dans la tête de ma femme, qui jouait donc par Emmanuel Boidron. Elle n'arrive plus à faire la distinction entre son mari et son comptable, ce qui va donner lieu à des situations et des confidences qu'elle n'aurait pas dû faire. Alors, une comédie de Mathieu Burnel et Sacha Judasco, qui fait beaucoup de sketchs pour mmh. d'autres anonymement, et, et une comédie, un hein, vaudeville, c'est aussi un genre très particulier. Il y a du rythme. Il y a beaucoup de rythme. C'est vraiment un, une pièce qui est. Alors il y a du fond, il y a du rythme, il y a de l'humour, mais il y a aussi euh, des moments euh, très. Euh, je trouve touchants et poignants. Il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à jouer. Moi, je sais que mon personnage passe par différents états, et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment pour un comédien. Moi, là, j'ai cette chance qu'on me le propose. Alors, j'ai beaucoup de choses à faire, donc il faut que j'apprenne aussi, hein, que puis il faut que j'apprenne et que et que je m'en sorte très rapidement. Mais c'est hyper intéressant, c'est hyper motivant. C'est une mécanique totalement huilée, le moins. Écart, c'est fichu. C'est exactement ça. C'est bien de me le rappeler. Mais non, mais c'est vrai. Pour vous, c'est un pari, un défi. Oui, il y a beaucoup de. Ah oui, c'est vraiment. La pièce en elle-même, là, c'est vraiment. Je ne pouvais pas rêver mieux. Franchement, au moment où je vous parle, je me dis, cette pièce-là, c'est vraiment C'est un bonheur, quoi. C'est vraiment. C'est un gros challenge, mais pour moi, c'est vraiment bien. ce que là, vraiment, il y a du. Si je sors de ça, je suis comédien. Vous n'avez jamais pris de cours de comédie. Mais en fait, c'est dans tout ce que vous m'avez cité, si je me faisais là, cette réflexion, c'est qu'en fait, on ne m'a jamais rien appris, quoi. Et euh, c'est peut-être aussi pour ça que. Bah voilà, je suis pas peut-être aussi bon que d'autres, mais je ne demande qu'à apprendre. Mais comme je suis un mec qui en veut, qui suis têtu, qui suis un gros bosseur, et eh ben ça me fait pas peur. Donc on va y aller. Enfin j'ai peur, mais mais j'y vais. Oui, en plus il faut un rythme de sportif, ça, ça aide mmh. et de, de faire du sport. pas bah, Du théâtre. De toute façon, avoir une bonne con condition physique, être en, en bonne santé. Enfin j'espère l'être. Euh, voilà, c'est avoir de la vitalité. Et dans ce rôle-là, j'en ai vraiment besoin. Ouais. Justement être un sportif, ça vous ça vous aide à tenir le rythme de la pièce et, et, et tenir, tenir la mécanique. Forcément, ça m'aide. Ça, c'est, c'est-à-dire que quand, quand j'ai une baisse de régime, et eh ben, j'ai peut-être un régime un peu supérieur à quelqu'un qui n'en ferait pas. Mais quand vous regardez Emmanuel et, et, et Luc, je ne sais pas s'ils sont des sportifs de, de haut niveau, non pas que j'en sois un, bien, bien évidemment, mais ils sont capables aussi de le tenir. Eux, ils, là, vraiment, j'apprends avec eux. Hein. Ils ont le rythme, ils ont le sens du rythme, ils ont une mémoire incroyable. Ils comprennent. Alors, c'est vrai qu'ils ont travaillé ensemble, hein, mais là, je suis non seulement j'apprends je, 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 un rôle, j'apprends à jouer, mais Luc aussi me donne beaucoup. D'indications tous les jours, je repars, j'ai la tête farcie, hein, mais c'est bien. Et, et, et eux, c'est. En fait, si on veut avoir une image du, du, au travers du sport, c'est je suis autour de France, j'ai devant moi le maillot jaune et le maillot à poids, et puis moi, j'ai la, la voiture balai qui est derrière, j'ai intérêt à manier pour pas qu'elle me rattrape. Non, non, mais là, j'en prends plein la tête, mais, mais c'est bien, j'apprends. Mais quand j'ai fait les filles d'à côté, j'en prenais plein la tête, je, 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 je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et bien là, je suis dans la même situation, mais 30 ans après. Et d'ailleurs, vous, vous êtes populaire grâce aux filles d'à côté, Gérard Jouesse, mais euh, Luc Hamet est populaire parce qu'il a fait la voix de Martha McFly Bien sûr. dans Retour vers le futur et régulièrement il y a des conventions dans la France entière et il est accueilli comme Johnny Hallyday Mais c'est exactement ça, j'ai la, la, la chance aussi de faire des, des, des conventions et c'est vrai que les voix c'est ouais, une star, hein, mais vraiment tout à fait Alors en plus c'est un théâtre de 132 places, ouais. vous êtes près du public bah, les, Le public est sur mes genoux ouais, Et, et c'est un avantage, une peur, un désavantage bah, je vous le dirai quand ils seront assis juste devant moi mais alors on m'a déjà euh, on m'a déjà prévenu hein, emmanuel et, et, et Luc bah, qui connaissent parfaitement le le, le... Le, Le théâtre, livre, ouais. exactement. C'est mon dit tu vas, tu tu vas peut-être même entendre les gens euh, parler en même temps que tu joues, faire des réflexions, euh, dire ce qu'ils, en pensent et tout. Et je dis, mais là il faut, là ils sont en train de m'apprendre en ce moment à, à attention. Là il pourra se passer ça, ça et ça. Hein. Oui, moi je me souviens un jour euh, j'étais au théâtre dans un grand théâtre et puis il euh, y avait à côté des spectateurs qui venaient pour la première fois au théâtre à Paris. Le rideau s'ouvre, la personne entre par une porte et la spectatrice à côté fait « Bonjour !» C'est en levant la main. Incroyable. Ça, ça, incroyable. Ça, ça, non, mais on ne peut pas imaginer ça. Non, non. Au théâtre, ce soir, vous connaissiez... Bien sûr. Des corps de Roger Hart et... et, et, et dans le et... Carwell. Exactement. Vous, parce que finalement, c'est le même rythme de pièce. Mais moi, j'adorais regarder ça à la télé. Ouais, je... Alors, est-ce que c'est le même rythme C'est une pièce qui, en fait... Euh, ne... enfin, elle s'emballe du début jusqu'à la fin pour finir sur un rythme incroyable. Mais en même temps, c'est vrai qu'au théâtre ce soir a marqué les esprits. Bien sûr. Dans votre enfance, vous regardiez des pièces ah, J'adorais regarder quand mes parents m'autorisaient de regarder la télé. Oui. Parce que sinon, il fallait se coucher tôt. Mais ouais, c'est vrai qu'au le... théâtre ce soir, c était... C était... il y avait les dossiers de l'écran et au théâtre ce soir. Ah. Alors vos parents, justement, oui. vous dites que vous avez, vous faites, vous avez toujours décidé écoutez vos parents et que seulement maintenant, vous faites ce que vous voulez. C'est vrai, je l'ai toujours dit, ce sont mes parents qui... Euh c'est eux qui me disaient tu t'assois là et je m'assois là, tu baisses le ton et je baissais le ton et euh, c'est vraiment euh, bon maintenant en étant plus là, il fait la fallu euh, c'est ce que je dis hein, depuis que je n'ai plus mes parents, je suis devenu adulte parce que c'est ça être un adulte, c'est quand vous ne pouvez plus compter bah euh, ben voilà sur sur ceux qui vous ont fait naître mais euh, mais c'est vrai que Maintenant, c'est moi qui dois prendre ma vie en main et j'essaye. Alors, le théâtre, effectivement, la scène est toute petite, mais vous avez connu des grandes scènes. Je crois que vous avez connu les Zénith avec Danse avec les stars, c'était autre chose. Ça. Alors, pour vous dire, alors moi qui étais nul en danse, la première scène, ce qu'ils m'ont appelé pour faire les deux tournées de Danse avec les stars. Parce que vous étiez nul Parce que j'étais mauvais. Ouais. Et, euh, et ben, ma première scène, c'est quand même Bercy. Que quand vous dansez, vous arrivez, vous savez pas danser, on vous colle au milieu de Bercy et que vous dansez. L'aréna de Montpellier aussi, 14 000 spectateurs. Il bah faut y aller, hein. Mais c'est super. Mais j'ai adoré, vraiment. Ah ouais. Et puis il y a une autre vie que vous adorez et cette vie, elle est évoquée à travers un sketch de Jacques Dufileau. Par ici, mesdames et messieurs, la visite va commencer. La Mais visite oui. du château de Jacques Dufilot, qui est un sketch qui a eu beaucoup de succès dans les années 60. Jacques Dufilot qui du s'est ouais. ruiné d'ailleurs avec euh, sa, sa ferme et un château qu'il re, qu uh, retravaillait tout le temps et des voitures qu'il reconstituait. Et un château, bah, vous vous êtes offert un château, euh, à, euh, le château de la Vernet à Garchizy, oui, dans, la Nièvre. dans la Nièvre. Ça c'est une autre activité, c'est assez particulier. Alors, alors euh, mm, remontons un petit peu, depuis que je fais de la télé, comme j'ai bien compris que. C'était aussi, c'était très précaire. J'ai vu tellement de personnes vouloir être comédien et, et ne pas, pas réussir, ou voilà, ou vivoter, ou enfin voilà, il y a un moment donné, il faut faire chauffer la marmite. Et donc, j'ai toujours, toujours, depuis que j'ai commencé, euh, travaillé à côté de la télé. On dit toujours, tu fais de la télé et à côté, tu fais ça. Non, 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 je fais ça et à côté, des fois, je fais de la télé. C'est-à-dire que j'ai une peur, euh, j'ai une peur bleue de ne pas travailler, de ne pas avoir d'activité. Et donc, effectivement, ce château, j'ai eu plein d'autres activités, mais j'ai racheté un château. Château que je dois entièrement rénover parce que c'est pas je mets je mets mes chaussons et je rentre dedans. J'ai racheté un château qui était un ancien esat, un, un établissement de services et d'aide au travail qui avait qui recevait des handicapés et je suis en train de transformer ce château. Alors maintenant depuis 2014 donc j'ai quand même beaucoup beaucoup travaillé. Donc dès que j'ai fini mes répétitions je file au château. J'enfile mon bleu de travail mes chaussures de sécurité. Je fais de l'enduit, je fais de la soudure, je fais de la peinture. Je monte du parpaing, je refais l'électricité, etc. etc. J'ai posé moi-même mes deux fausses sceptiques euh, et donc en fait c'est un lieu de travail en fait mon idée est de faire un lieu de réception vous pouvez venir faire la fête chez moi jacques vous pouvez faire vous marier vous pouvez faire des cousinades et, et mon rêve là euh, euh, une autre activité que je veux faire c'est des lieux de résidence c'est à dire que je, je travaille en ce moment pour aussi être capable de recevoir des troupes théâtrales qui vont pouvoir s'entraîner chez moi dans un parc qui est extraordinaire pour ensuite jouer dans les diverses communes mais c'est vraiment un lieu de un lieu de, un lieu de travail c'est un outil de travail. C'est un château du 19e siècle. Oui, 1875. C'est un russe qui l'avait qu fait construire. Exactement. Il a fait venir euh, dans la Nièvre du, du silex de du Tchécoslovaquie. Il a monté ce château. Et comment vous êtes tombé là-dessus Pourquoi ben, En fait, je, 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 je suivais différentes annonces sur Internet pendant, pendant, pendant presque deux ans. Et puis j'ai visité différents endroits parce que je voulais créer ce lieu. En fait, j'ai envie de créer un lieu dans lequel je peux faire des expositions, je peux faire euh, des, des salons, je fais des. Des, des, des Conférences, on fait des mariages, on vient faire la fête. Là, on a fait une, une, une exposition de voitures où j'avais 730 voitures. On a fait un salon du, du médiéval. Enfin, on fait plein de choses. Et, euh, et à force de visiter, euh, je suis tombé. Mais amoureux de ce cadre-là, même si inconsciemment je ne me rendais pas compte de, de, des travaux, de la, de, la, de la quantité de travaux à, à faire. Mais je me suis lancé euh, là-dedans et il faut que, que je continue à bosser dedans. Voilà. Et en attendant, avant le château, il y a le palais. Vous allez vous en reparler beaucoup tous les soirs <laughs> euh, sur la scène du théâtre Edgar. Oui. Avec le coucou, avec Luc et Emmanuel Boidron. Je rappelle que c'est une semaine sur deux à 19h, une semaine sur deux à 21h, à partir du 4 octobre. Et euh, je suis sûr qu'on va vous découvrir. Que vos fans vont vous découvrir autrement et vous allez faire rire et sourire et émouvoir. Je le souhaite, mais, mais vraiment. Bon, alors tous nos vœux de succès. Merci. Merci, Merci Gérard Vivet. Merci, L'équipe d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.